La lutte contre l'incivisme routier bat son plein dans le Grand Abidjan. Pour cette deuxième édition, la Semaine nationale de la sécurité routière démarre avec le déploiement massif d'agents de police dans plusieurs villes. Très belle initiative. Au moins, on aura moins d'accidents sur les routes et on aura des chauffeurs consciencieux. Le samedi 4 mars 2023, plusieurs équipes ont sillonné les rues de plusieurs communes, dont Koumassi, Port-Boué et Cocody, où est installé un dispositif de barrage intelligent. Des points stratégiques d'où elles ont effectué des contrôles. Et vous l'avez constaté vous-même, qu'aujourd'hui les comportements commencent à changer. La plupart des conducteurs que vous voyez dans la rue ont tous leur ceinture de sécurité. Il y a très peu, selon les rapports que nous avons eus de la première journée, il y a très peu que nous avons pris avec le téléphone au volant. Donc c'est déjà une source de satisfaction pour nous. Il faudra continuer en amplifiant, en consolidant ce qui est acquis et en amplifiant les actions sur le terrain. Pour rappel, la Semaine nationale de la sécurité routière a été instaurée par le gouvernement en 2023. Du 3 au 10 de chaque mois sur l'étendue du territoire, l'objectif est de sensibiliser sur les bons comportements à avoir sur les routes en vue de la réduction des accidents.